Cette vidéo est sponsorisée par les tipeurs, les coffeurs et tous les abonnés Twitch, merci à vous tous, ça fait grandement plaisir. Depuis le début de cette petite série de vidéos, je ne fais que parler de vaisseaux qui sont pas forcément pour tout le monde. Soit c'est gros, soit c'est extrêmement spécialisé, et puis le point commun c'est que c'est super cher. Alors ouais, c'est quand même intéressant de voir les stats, les composants, les différents rôles, mais si c'est pour jamais pouvoir tester tout ça, c'est quand même un peu dommage. Un joueur lambda qui découvre Star Citizen genre là maintenant pendant cette période de free fly, il a pas que ça à faire que balancer 200€ dans un vaisseau. Ouais, peut-être qu'il s'amuse dans l'alpha, ouais, peut-être l'image qu'il a de la release l'intéresse, mais pour tout ça, il n'y a aucune nécessité d'avoir un monstre de métal. Que ce soit pour les nouveaux ou même pour les anciens joueurs, que ce soit pour l'alpha ou pour la release, on a des vaisseaux bien plus simples mais qui occupent une place extrêmement importante, les starters. L'Anvil C8X Pixies est donc un vaisseau starter mesurant 13 mètres de long pour 10 de large et 3,35 de haut. Je dois déjà commencer en expliquant qu'on parle déjà d'une variante. Le vaisseau d'origine, c'est le C8 tout court, vaisseau de soutien du Karak se reposant dans son hangar et sortant pour aider ce dernier, histoire d'explorer des lieux un peu trop restreints. Donc ouais, c'est intéressant, mais le seul problème, c'est que ce vaisseau est unique au Karak. Que ce soit en jeu ou en vrai, il n'a jamais été vendu séparément. Et c'est là que le C8X que je vous présente aujourd'hui rentre dans la course, lui permettant de devenir un véritable vaisseau starter accessible à tous, sans avoir à casser le compte en banque pour un Karak. Avec ses 4 SCU de cargo, il se retrouve dans la moyenne des autres starters, et a l'avantage d'offrir en plus 2 petits sièges additionnels. Comme ça, si vous avez des potes à transporter, ça peut se faire. Pour ce qui est des composants, on retrouve sans surprise de la taille 1 partout. La bestiole est pas grosse, donc il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Les armes quant à elles ont le droit au même traitement, ne dépassant pas la taille 1, avec 2 d'entre elles étant gimbal et les 2 autres fixes. Puis pour terminer, on retrouve 2 missiles, eux aussi de taille 1. En gros, c'est un petit vaisseau qui paye pas de mine, mais qui est extrêmement fonctionnel déjà dans l'alpha, et qui le sera encore plus à la release. En tant que vaisseau starter, c'est un appareil qui est là pour permettre aux nouveaux joueurs de découvrir le verse. Et de par cette logique, on retrouve une forme de polyvalence très importante. Tu veux tenter de faire du transport de caisse? Ce sera possible. Si t'as envie de tester le trading en prenant peu de ressources mais en faisant une grosse marge, là aussi ça devrait pouvoir se faire. Tester la chasse à la prime en allant cibler des petits pirates incompétents, bah ouais, là aussi ça devrait se gérer. Et le plus intéressant, c'est que sur un malentendu, le C8X devrait potentiellement permettre de se lancer dans le rôle d'explorateur. L'idée d'origine du C8 PAX, comme je l'avais dit, c'est d'aider le Karak à explorer là où il ne peut pas. Donc en soi, rien n'empêcherait le C8X de faire pareil, mais sans Karak, permettant aux nouveaux joueurs de pourquoi pas explorer les lunes et les planètes d'un système, et de vendre la localisation des rochers ou des épaves qu'ils auraient trouvées. Le C8X, c'est un peu l'exemple du starter parfait, on pourrait dire. Sauf que certains rôles ne peuvent pas forcément être abordés de cette manière. Plus spécifique, plus spécialisé, il faut que le vaisseau soit dédié pour pouvoir commencer. Le sauvetage fait partie de ces jobs. Alors oui, n'importe qui peut aller là où c'est nécessaire et aider avec un pistolet médical s'il y a des gens mal en point. Mais pour soigner les blessures, potentiellement maintenir en vie et amener les gens à l'hôpital, avoir un lit médical, ça sera quand même bien mieux. A l'origine, le plus petit vaisseau pouvant accomplir ça, c'était le Cutlass Red. Mais grâce à l'IAE et ses surprises, un nouvel arrivant entre dans ce ring, le Pixies C8R. La plus petite ambulance du Verse aménageant l'intérieur du Pixies en quelque chose de bien complet pour pouvoir sauver des vies sans avoir à prendre beaucoup de place. Au lieu de la soute, on retrouve à l'intérieur plusieurs rangements pour divers médicaments et autres éléments médicaux, un lavabo, une poubelle et bien sûr le plus important, un lit médical de tier 3, capable de maintenir en vie tout blessé en ayant besoin et de soigner les blessures du même tiers. Faudra juste éviter de rentrer en combat avec quelqu'un pendant un sauvetage parce que vu qu'il n'y a que 2 armes T1 au lieu de 4, se défendre sera pas le plus facile. En termes de travail exact, bah on a une ambulance, l'objectif c'est de sauver des gens, yes. Mais ce qui est important, c'est quand même de savoir dans quelle situation ce sera possible. Il faut pas oublier que chaque vaisseau a ses particularités, surtout en termes de portée pour le voyage en quantum. Certains appareils peuvent se permettre d'augmenter cette portée grâce à un quantum drive plus lent, mais quand l'objectif c'est de rapidement sauver des vies, bah c'est pas vraiment un sacrifice que tu peux faire. Le C8R avec son quantum drive de base peut parcourir environ 66 millions de kilomètres avant de devoir faire le plein. Avec ça en tête, je verrais vraiment cette nouvelle version du Pixies comme une sorte d'ambulance locale, bossant dans des petits systèmes peuplés comme Stanton peut l'être. Il y a beaucoup de stations, toutes plus ou moins rapprochées, donc le petit réservoir de quantum fuel ne serait pas problématique. Mais pour les systèmes plus massifs, ayant peut-être moins de stations avec des hôpitaux, bah c'est un vaisseau qui aurait quand même beaucoup plus de mal à s'imposer, à moins de dépendre d'un vaisseau mère comme un Endeavor, un Karak, un Kraken ou pourquoi pas un Hercule C2. Là au moins tu augmenterais la portée du véhicule, et puis encourager le jeu en groupe c'est toujours une bonne chose. En tout cas, la chose certaine, c'est que le C8R ce sera le starter parfait pour son rôle. Le point que je trouve un peu intéressant, c'est que s'il y a la place pour caler tout ça à l'intérieur du Pixies, bah en fait, il y aurait largement moyen de concurrencer le cutter récemment sorti. Tu remplaces le lit médical par un lit classique, les rangements pour les médocs avec genre une plaque de cuisson, et puis c'est parti en fait.
à voir si CIG nous garde quelque chose comme ça pour le futur. Pour ce qui est du prix, mais pour une fois ça ne fâche pas, le C8X coûte 45$ hors taxe, donc 54€ tout compris, ce qui est plutôt raisonnable on va dire. Mais encore mieux, pour 72€, donc un peu le prix d'un jeu AAA pas fini, vous pouvez acheter le vaisseau avec le jeu, vous permettant de jouer à l'alpha et de jouer à Star Citizen quand il sera sorti dans 450 ans environ. Pour tous ceux qui sont justement en train de tester l'alpha actuellement, ça pourrait être un deal quand même bien intéressant, qui d'ailleurs est peut-être en promo au moment où cette vidéo est sortie. Dans le cas du C8R, c'est un peu plus cher, vu qu'on est sur un starter pour un rôle spécifique plutôt que quelque chose de généraliste, ce qui nous donne 78€ tout compris. Si vous êtes vraiment intéressé par le rôle, pourquoi pas, mais sinon après au niveau des prix en jeu, le C8X coûte 406 000 AUEC, et j'imagine que le C8R montera vers 550-600K en fait vu sa spécialisation. Donc ouais, si le C8R est un peu trop cher pour vous maintenant, l'achat en jeu sera peut-être une meilleure option. Pour conclure, le C8X est un vaisseau starter qu'il est plutôt cool à avoir. De mon côté, j'adore le design, j'aime bien l'espace intérieur quand même spacieux dans un appareil aussi petit. Donc ouais, c'est cool en fait, je pourrais même aller jusqu'à dire que c'est mon starter préféré. Polyvalent, compétent, discret mais pas trop, parfait en fait. Et puis avec cette nouvelle variante médicale, on aura un point de départ beaucoup plus accessible pour un rôle qui aura une importance majeure dans le verse, et qui de plus ira de pair avec l'exploration. Peut-être qu'à l'avenir, un C8X pourrait explorer et trouver des épaves fraîches, tandis qu'un C8R serait juste à côté pour sauver les survivants. En tout cas, à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, les commentaires sont là pour ça. Comme d'habitude, on se retrouve demain pour encore une autre vidéo. Le mot de la fin, bois.